l'air pas pire, ça. Hello. Ça marche-tu, ces pitons-là? Ça marche certain. Grosse technologie. Je fais ça de même, ça marche-tu? Ah, ben ça a marché 2 secondes, puis là, ça marche plus. Et tu fais crasher? Un vieux iPad 2. Recyclé. Coudon. C'est ça? Ah, ok, c'est le même, ça marche. Ça, faut que j'enlève ça. Ok, je peux configurer ça live. Écoute, on l'a prendre le spot. Let's go. Bon, j'achève mon album. Je vais enregistrer un petit solo. Je vais vous la faire jouer jusque-là. Ça commence avec des belles vagues de l'océan. Ça, quelque chose comme ça. Je vais pas entendre la fin, quoi qu'il y ait un gros Christy solo après. Achèterai l'album. Ok, on en fait un autre. À date, mes streams, c'est pas mal ça. Hein. C'est moi qui fais 160 fois le même solo. Il y en a qui aiment ça. Pas beaucoup, mais il y en a. We'll be right back.
si rempli d'émotions. J'ai aimé la fin. Ça désaccorde ma guitare à chaque fois. Whatever. De toute façon, je shake tellement les notes, c'est tellement toujours que le tuning, là. Pas grave. C'est comme Ginette avec son vibrato d'une tierce mineure. We'll be right back.
Je me demande si je devrais pas commencer plus doux, moins de frioritures. Good. Non, l'album est pas fini encore. Je prends mon temps. Ça presse-tu, anyway? Ça presse-tu? En fait, je l'ai fini, Jacques, puis après ça, je l'ai tout effacé, puis j'ai recommencé. Non, c'est pas vrai. Passe ici. Ça me déconcentre, le téléphone soit ouvert. Là, je fais rien que penser à Jacques qui me dit que l'album n'est pas encore fini et qu'il n'est pas fin avec moi. Citron, gingembre. Ah, c'est le secret pour jouer des chansons des années 80. Hey, ça m'a fait penser. On pourrait faire un deep fake. Genre, c'est moi dans mon studio, mais je remplacerais ma face par celle de Tom Cruise. Ça serait Tom Cruise qui jouerait de la guitare. Ça serait débile. Faut que je fasse tagadouda. Pas facile, c'est pas facile.
une drôle de note pour le swell. Là. C'est arrivé par hasard. Je décide de le garder. On verra. Très étrange. J'en ai pas mal, hein? Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent. S'il y a des gens qui écoutent, ils doivent être tannés d'entendre la même affaire. Je pourrais peut-être vous faire jouer. Ouais. J'ai déjà fait entendre l'album où ce qui était rendu un musicien dont je vais taire les initiales. Et puis, il m'avait dit « Hey, ça me fait penser à du Pink Floyd, là. » Tu sais, là, quand Pink Floyd est devenu poche dans les années 80. Je respectais tellement le gars que j'ai souri puis je suis parti à rire. Mais en dedans de moi, c'est comme si c'est bien chien, man. Ah, je peux dire ses initiales. C'est DT. Mais je l'aime quand même. Et non, c'est pas directeur technique. OK, j'arrête de parler. Au revoir. Là, est toujours lettre. À moins que je fasse une blue note. Faut comme ça swing. Je vais le faire avec un legato au lieu de piquer. C'est ça l'idée. Avant, c'est ça que je faisais. Da, 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 da. Puis là, je me suis écœuré de l'écouter de même. Je l'ai changé. Ça donne ça.
Ok, il y a un bout qui marche pas, là j'ai changé. C'est ça. J'aurai cette fin alternative. Il y a de quoi qui marche pas. Oh non, c'est correct. C'est moi qui capote. C'est moi qui capote. Devinez quoi? Je vais en faire une autre. Peut-être que je pourrais vous faire entendre la suite de la toune. La suite de la toune après. Comme avant, c'est pas comme avant ici, je me rappelle pas ce que je faisais. Hostifie. On va revenir en arrière. Je vais même vous montrer LQ Base, c'est un truc. Ça, c'est les 23 takes. Oui, mesdames et messieurs, 23 takes. Écoutons les différents takes. C'est pas pareil. C'est ça, je le joue deux fois. Pa 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 pam pam. J'ai compris mon erreur. Je sais pas pourquoi je m'efforce à vouloir le refaire et le refaire. Celui-là, il sonne bien. D'ailleurs, on va le découper et le mettre en couleur. Bon, un joli saumon. Ça serait-tu saumon, ça? Saumon, c'est ma couleur préférée. À dire, en tout cas. C'est saumon, ça. OK. Bon. On est où, là? On est là. Fait que c'est... On va se redonner du son. En passant, le gros reverb que j'ai, là. Je sais pas s'il y en a qui sont intéressés dans le son, là, mais le gros reverb que j'ai, vous pouvez voir c'est quoi, juste ici. Juste ici.
un vieux PCM 70. Plus un PCM 80. Le gars, il aime ça, le reverb. T'sais. Dans la question-réponse. Sinon, c'est comme si je me coupais la parole à moi-même. Emotional. Je suis proche de l'avoir. Time est tellement à chier là-dessus. C'est ça, faut pas que j'aille trop vite. Ah, calme tes maudits nerfs du chêne. Relax! Plus de tisane, attention. Ah, je me sens calme. We'll be right back.
Il y a une place là, quand je fais. Là, faut que je t'achèque, là. Faut que je t'achèque, là. Puis à tous les fois, j'achèque pas à mon goût. En fait, sans me trouver des excuses, il y a une explication. J'ai pris une habitude de toujours shaker avec la barre. Là, je suis comme rendu un peu plus faible des doigts. En plus que je joue moins que dans mon jeune temps. Fait que c'est forçant pour moi de faire ça. Et en plus, cette guitare a un pont flottant. Fait que quand tu veux faire un gros vibrato cochon, là, le pont, il bouge. Fait que faut que tu vibres encore plus cochon. Faut que tu sois très, très cochon pour que ça sonne juste moyennement cochon. Ah, c'est cette guitare. Il y a des pour et des contre. C'est dur aussi tomber sa note, là. C'est un peu du hasard. OK. Ouais, ouais. La troisième corde, elle broye plus quand tu t'as dive. Donc... Puis après ça, on tombe gentil. Ce segment ne sera pas sur l'album. Mm-hmm.
Ah là 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 là, si j'étais capable d'en jouer un au complet à mon goût, là. C'est là. C'est là. Un jour. Ah, il est bien chien, lui. Je catch pas pourquoi t'as écrit Dimitri, Jacques. Christian dit que lui, il ferait plus comme la 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 la, oui, wham, la la. Une chance que c'est pas toi qui as inventé la notation musicale. Sinon, tout le monde jouerait ce qu'il veut. Ok, ouais, je pense que dans tout ce tapot de takes-là, je suis sûrement capable d'en faire une. Oh, petite variation. Not bad, not bad. Je pense qu'on est dû pour écouter autre chose. Je vais vous faire entendre la suite. Ça, c'est un pseudo verse. Je sais pas, chorus verse. Ça ressemble à ça. Pas sûr des petits harps de Stranger Things. J'ai ajouté ça hier. Avant, c'était du genre de piano à la Whitney Houston avec justement le thème. Là. Da, 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 da. Je trouvais ça full kitten. Je l'ai effacé. Effacé! Hey, la première fois que j'ai fumé un joint, j'ai joué une note sur la guitare. Je dirais pas j'étais avec qui. Bah, whatever. Puis j'ai juste fait une note puis j'ai écouté le reverb. J'ai en fait juste ça de même. Puis là, mon ampli, le reverb était dans le fond puis j'ai juste fait. Puis si j'avais eu ce reverb-là, dans ce temps-là, quand j'étais jeune, la première fois que j'ai fumé mon joint. Je pense que j'aurais pogné de quoi, là. Je pense que je serais tombé dans l'enfer de la drogue.
En tout cas, moi j'aime ce reverb là. Je me rappelle, je leur avais dit, les gars, entendez-vous? Là, je faisais juste. Écoutez. Les copains, merci d'avoir assisté à ce somptueux stream de Francis Duchesne. Et puis je vous souhaite la bonne journée et bon shreddage, whatever. Oh yeah! Je peux pas arrêter ça là.